Pour booster votre cerveau, tout un stock de techniques existe. Je vous propose la technique FAST pour un apprentissage rapide et optimal. F comme forget, oubliez. Difficile d'apprendre si vous pensez tout savoir sur un sujet. Faites du tri et oubliez ce qui n'est ni important ni urgent. Je trie, je range, important, pas important, je sais plus. Limitez les distractions. Si vous êtes dispersé, vous ne pouvez pas apprendre. Dernier conseil, oubliez vos blocages et vos croyances limitantes. A comme active, actif. Pour mieux apprendre, bougez. J'apprends, je bouge, j'apprends, je bouge. En étant actif, vous mobilisez de nouvelles zones de votre cerveau et donc de nouvelles connexions se font et vous intégrez l'information plus facilement. Par exemple, moi, je suis kinesthésique. Pour apprendre, j'ai besoin de bouger. S comme state, l'état. Nos émotions impactent notre capacité d'apprentissage. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Lorsqu'on n'a pas envie, eh ben on a envie de rien et on n'a pas envie d'apprendre non plus. Oh, j'ai pas envie du tout là. Oh, dur. Décidez d'être heureux, joyeux, stimulé. Vous apprendrez plus vite et mieux. Ah, je suis heureux. Je suis heureux. T comme teach. Enseigner. Et oui, le savoir, ça se transmet. Laissez les autres vous transmettre leurs expériences, leurs connaissances. Et à votre tour, partagez ce que vous savez. Et uno sabia que vous connaissez au pays du Brésil. Questionnez, interrogez, creusez. J'évite de me faire des nœuds dans la tête. Je simplifie. Pour finir, une astuce pour votre cerveau. Rappelez-vous chaque soir une chose que vous avez appris dans la journée. Et soyez-en reconnaissant. É uma coisa muito grande. Eu sou pai. É uma experiência única.